Bon allez, on y va, on bombarde. Est-ce qu'on essaye de plomber l'ambiance du club là? On essaye de plomber votre club? Qui? C'est délibéré ou ce sont des couillons? Non, c'est des cons. Ils veulent faire voir qu'ils sont pas des suceurs de Marseillais, que c'est des hommes. Vos mecs là, ils criaient suceurs de Marseillais, ça m'a fait rire. Hein. Jusqu'à un certain point quand même. Hein. On n'a jamais sucé les Marseillais, d'ailleurs si on peut les niquer le 19, crois-moi que je serais heureux. Il y en a qui peuvent penser qu'on fait un peu de social, que ça fait bien de prendre des filles avec nous. Moi, c'est pour que vous soyez championne de France. Hein. On est la première équipe professionnelle à avoir une équipe féminine. Alors, je veux que ça soit top, top, top. Ok, les filles, vous êtes des amours. Allez, venez, on va. On dira, Nicolas nous a virés, comme ça on vient pas au stade. Bon, c'est scandaleux. C'est pas très sympa pour eux. Je les emmerde, t'as compris? Parce que moi le rugby, je vais te le dire, c'est moi qui l'ai sauvé, c'est pas lui. Hein. Au mois de janvier, cher ami. Et je m'appelle pas Bernard Laporte, ni Mehdi Guazini aussi. Hein. Quand il a fallu mettre tes sous, je les ai mis. Hein. Alors, halte. L'histoire rugby est terminée. Et j'aurai ma loge, il n'y a aucun problème. Et les joueurs, et Galdier et tout ça... À fond. C'est Cerceau encore? À cause de toi, je suis là, tu me casses les couilles. Hein? Je t'adore, tu le sais. Hein? À la fin du match, ouais. Leonardo et Nasser m'ont promis d'avoir les deux maillots. D'avoir les deux maillots, hein, Zlatan et Beckham. Eh oui, ça c'est de la bonne cam. Hein. Je devrais. Si, je vous promets, je vais donner le maillot de Raoul. Le jeu au Qatar. Ouais. Ah oui, Raoul, bon. Ça, c'est pas mal. Je peux vous dire que je suis jaloux, hein, parce que moi, Raoul... C'est... T'es un collectionneur, toi aussi? Ah, mais Raoul, tout c'est... Lolo, président. Ah, ça, c'est gentil, ça. Non, plaisir. Oh, putain. Ça, là, je suis jaloux. Aussi, là, je suis jaloux. Celui-là, il était fort, celui-là. Avec sur ce cadeau, la gestion des égos, vous en connaissez aussi un rayon, vous, Loulou. Si je vous montre juste ce phénomène, Coupe de France 90, Eric Cantona, dans les rangs de Montpellier... Ben oui, mais on dit beaucoup de choses sur Eric, mais c'est un garçon adorable et charmant. C'est pas un mal hein, d'avoir un égo fort. Toujours, hein. Et ça, c'est pas ce que j'ai bien passé. C'est pas ce que j'exprime. Et souvent, il vaut mieux des garçons comme ça que des faire-valoir qui sont plus casse-bonbons. D'accord. C'est clair, hein. Ça suffit. Une dernière fois pour la saison. Pipi ! Ouais ! Pipi ! Ouais ! Pipi ! Ouais ! Pipi ! Ouais ! Michel ! Oui, voyez, pipi, Soyez libre. Si on chante dans les histoires, vous avez des fêtes, il faut être droit. Toujours en première division. C'est le maintien. La victoire de Marseille. Ouais. Le podium. Mais après, je ne sais plus. Hein. Après, quoi, tout.